la France. L'hymne national entonné. Une manière de se connecter avec l'énergie du pays qui, pour eux, est en souffrance. La gouvernance à la tête du Bénin depuis ces 5 dernières années est digne d'un cauchemar, soutiennent les Béninois vivant en France, mobilisés ce samedi à la place de la République à Paris. Parmi eux, quelques-uns des exilés politiques. Ils sont venus très nombreux. Cela témoigne de notre engagement, de notre patriotisme pour défendre les acquis démocratiques de notre pays. Le 5 avril 2021 à minuit, Patrice Talon devra descendre du fauteuil présidentiel car ce sera la fin de son mandat tel que voulu par la Constitution du 11 décembre 1990, disent-ils. 5 ans, ouais. Et non 5 ans et 45 jours. Il faut continuer la lutte jusqu'à la dernière seconde. Il a prêté serment pour 5 ans. 5 ans, c'est 5 ans. 5 ans, c'est 5 ans. Plus 45 jours. Non, 5 ans, c'est 5 ans. Le 5 avril à 01, il descend. Pour faire respecter la durée de son mandat à la tête du pays, les Béninois sont appelés à manifester partout dans le pays et les forces de l'ordre se doivent de les protéger et non de les violenter. Un policier républicain en exil appelle ses frères d'armes restés au pays à leur responsabilité. Et la Constitution béninoise donne l'autorisation à tout citoyen, à tout fonctionnaire de la République, notamment les hommes en uniforme, de refuser tout ordre illégal. Le 5 avril, c'est dans quelques heures. Que se passera-t-il quand sonnera minuit ? L'histoire le dira.